Marišu, kurka pašla atsirobotni uagra, eto raportni i staršino borko. Ne pomskaju, eto na ševim aparati madre bačno. Vepa znad rabini i onaja mestje, men bilica eto bagriša ružniki. Цапнєлі Амего Бориса Оберанкова. Очто наше вивяду, його брат вечтає освободничкану. Ед можнаще ліш на чето месті. Гурка, ми мадри па кришта ед бидлок. Вечта позору ордінего перевозка, ач ви братю ету машину. Заклутник, естьо, инсидия, ач магазин. Ето ви, пошло ач ладовка. Ми, мадре, готов ач всем. Айя. Oberankov lui-même s'est fait choper. Je ne sais pas du tout comment aider les rebelles sur ce coup. Si on réussit à les repousser, la rébellion sera très affaiblie. Si les rebelles réussissent à récupérer Oberankov, il y a peu de chances pour que je reste en vie. D'habitude, il y a toujours une porte de sortie. Mais là... Ніхто ж то я!
Marisu, odej tady vňač masinu. Ili ho zadnej tučko nedá. Odesli tajet. Za klutnik eto vyprivozí, estio až mydla na ševera vojský ač krajinka. Svobodní, Heno, a da chronijova se spadte živatko. Finalement, la situation n'est pas si mal. Non seulement je peux rendre Oberankov à la rébellion, mais en plus je peux utiliser comme prétexte que j'étais seul et désarmé face à deux hommes. O Barandinha, mnie znajać jego samoska duro. La seule chose auquel je m'attendais pas, c'est que ce con d'Oberankov passe ses nerfs sur moi. Mais ça ne fera que rendre encore plus crédible ma version des faits. Au lendemain de cet événement, un attentat a été perpétré au Parlement. Je ne sais pas si c'est lié à l'affaire d'hier ou non. Plusieurs personnes du parti ont été blessées et 4 sont mortes. Pour l'heure, je reçois ce conducteur qui m'informe que sa femme travaille au ministère et a été blessée durant l'attentat. Ses documents ne sont pas conformes et sa femme est membre du parti, enfin si je m'en tiens aux infos. Ne sachant pas comment réagir ni quoi décider, je décide de m'en remettre à mon instinct. Je décide de le laisser passer. Le lendemain, il me remercie via une lettre et promet de me promotionner auprès du ministère. Si seulement il savait. J'ai aussi dû contrôler un individu un peu spécial. Il prétend avoir des documents capitaux qu'il doit livrer au parti. Logiquement, je devrais lui refuser l'accès, vu que je soutiens les rebelles. Seulement, si je fais ça sans une bonne raison, on risque de me soupçonner. J'ai alors vérifié tout le véhicule, les moindres recoins pour trouver une faille, mais rien n'y fait. Il est totalement légitime de passer. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il lui arrive une tuile en route. Vlad a des ennuis. Je vais rattraper ce voleur, il ne va pas s'en tirer comme ça. Vous êtes en état d'arrestation, gardez les mains en l'air et sortez du véhicule. Allez hop, en prison. Je vais éteindre les phares. Allez, au paddock. Finalement, je suis parti me coucher, sans me douter que demain serait une journée décisive.